بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس وقال عليه الصلاة والسلام البادئ بالسلام بريء من الكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. J'aimerais tout louange, tout grandir, tout remerciement, tout tarif pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait choisir nous pour venir accomplir salatul jumu'ah. C'est lui qui fait choisir nous pour venir parmi ban qui fait lever le matin avec iman. Dans son hadith, dit comme ça, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Ou yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Par exemple, à l'époque, c'est un djimoun pour lever le matin comme un mu'min, comme un djimoun qui a un iman, comme un djimoun qui croit en Allah, comme un djimoun qui est au chemin succès, mais ça, après ça, wa yumsi kafiran. Mais il pour al-dormi, veut dire sur la nuit, les pour finir sans direction. Les pour ne plus être mu'min, les pour finir un kafir. Et certains pour dormir, yumsi mu'minan. Je pour dormir comme un mu'min. Je pour le chemin de succès. Je pour le chemin de jannah. Wa yusbihu kafiran. Mais c'est moi le matin, je pour lever, papa, il y a iman aux yeux. Allah pour lever sans iman. Alhamdulillah, mon frère. Moi avec vous, nous fin lever le matin, Allah fin encore choisir nous pour venir parmi les mu'minins. C'est lui qui peut faire succès. Le Coran Allah dit Qad aflaha al-mu'minun. Les mu'minins font certainement faire succès. Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, mon frère, les fin lever nous avec plus grand cadeau que nous, c'est iman. Deuxième, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pour mes jeunes, c'est lui qui l'a fait grand matin Aminan fi sirbihi. Il y a en sécurité dans cela famille. Il y a en sécurité. Personne ne peut attaquer lui. Personne ne peut mettre coquin lui. Personne ne peut faire lui dito. Il finit levé en sécurité. Mu'afan fi jasadihi. Et ce l'écho, ce ban membre l'écho, ce la santé, tout encore bon. Quand il finit lever le matin, tout ce 360 juin qu'Allah finit mettre dans ce l'écho, que nous disposons, tu es tous les jours un sadaqa pour chaque juin qu'Allah finit de nous. Allah peut encore faire sa bonne juin là, travail. Malgré nos désobéissances, malgré nos négligences, malgré ne pas obéir à Allah pour ma besoin, ne pas penser à Allah comme un visage. Quand nous pensons à Allah, ça fait ma mazine un récit de mon grand personnel, de mon grand ulama. Que pour nous, il n'est pas plus facile d'arriver à ce niveau-là, mon frère. Une fois, tu as un grand alim. Ce élève, Jerry, au stade, pour remarquer, on arrête, mange, du pain qui ne finit cuit. On arrête, mange du pain qui ne finit cuit. Et on peut manger un peu de l'eau,
l'ose sur la graine même et on peut manger la farine comme ça même. Les là ça oustad là, ça alim là, les dix aux élèves m'ont remarqué que comme on mange du pain qui ne finit cuit, il prend un peu de temps en plus. Et quand on mange ce qui m'a fait manger, m'a gagné le temps faire 70 fois subhanallah en plus. Ça va maintenant en réalité penser d'Allah dans eux. Je te connais valer chaque seconde qui peut traverser dans cette dunya là pour eux. Ben, jannati, mon frère en islam, un seul sagrin, un seul regret, je peux y aller. Qui fait mon parti fini tout mon temps, qui fait mon parti dépense un petit peu le temps, plus dans pense à Allah, afin qu'il me gagne un grade plus. Hadith là dit comme ça, mu'afan fi jasadihi. L'élever le matin, il est en sécurité. Deuxième, il est en bonne santé. Indahu qutu yawmihi. Et kotli, yena manger nourriture pour sa jour qu'il finit de lever là. Le hadith là, parce que jour qu'il finit de lever là. Nous n'en avons mangé pour pouvoir un mois, nous déjà fini stocker la case. Hadith là dit, un jour, ça joue qu'il ne veut là, et n'a se mangé que lui. Quand Alhamdulillah, de nos jours, tout le monde n'a mangé pour ça joue qu'il finit de veut là. Faka enna ma hizat la hud dunya. Les comment dire, dunya est tout ce réseau qui est là, fin réuni pour sa personne là. Dunya en entier. Et tout ce trésor qui dunya est là, fin réuni pour sa pièce. Alhamdulillah, nous tout qui persisons là, nous tout parmi là-dedans. Qu'Allah fin lève nous dans sécurité, nous en bonne santé, et nous en a mangé pour sa jour qui nous fin lève aujourd'hui là. Chers frères en islam, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin donne nous l'occasion pour venir accomplir une grande obligation qui est une seule fois par semaine. Et si un dimon néglige sa obligation là, il soutient de l'islam. Hadith est clair là. Si un dimon rate 3 jumu'a, il finit une kafir. Allah finit maintenant parmi celui qui peut accomplir sa obligation. Pas penser. Nous routines ça, nous coutumes ça. Chaque vendredi, nous venons du Jum'a. Non, Allah qui fait choisir nous pour venir là. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir nous pour venir dans masjid, dans un lieu que Farishta peut écrire grand, grand récompense pour chacun qui persiste là. Sans un hadith, peut dire comme ça, un dimanche qui vient de masjid bonheur pour Jum'a, comment dire, il fait une chamelle en entier comme thawab. Et dans notre hadith, peut dire, il y a 6 actions qu'un djimoun fait. Un parmi là, non, c'est une bonheur. Un parmi ça, 6 là, c'est une bonheur. Premier, c'est baigner jour du mois. Deuxième, une bonheur. Troisième, maosé. Quatrième, coster prêt. Cinquième, écouter. Sixième, pas faire un rien inutile. Chaque dimoun qui fait sa 6 actions là, chaque Juma, pour chaque pas qu'il fait pour venir, il gagne un an récompense sur Rosa et un an récompense Tahajjud. Comment dire, sa personne là fait faire un an. Rosa, il fait garder un an complet et il fait faire un an Tahajjud complet pour chaque pas qu'il fait. Il fait 10 pas, 100 pas, 100 bananes. Il fait 1000 pas, 1000 bananes. Tahajjud et Rosa l'yani. Ça, c'est simple action. Allah met nous parmi là, inshallah. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran en place, dans la surah Furqan, les fins proclamer, les fins faire une déclaration qui s'en là, Allah peut dire, qui s'en là, mon serviteur spécial. Qui s'en nomme, c'est éviter et spécial. Veut dire, sa bonne serviteur là,
Je sais pas comment tu bats les autres insans. Je sais pas comment tous les autres serviteurs d'Allah. Je est spécial pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa mot qu'il fait servir dans le Coran, il fait montrer son appartenance, sa bandala, son appartenance à Rabbul Alamin. Allah même peut dire, on va dire, Allah peut dire ça moi, moi mon banda ça. Ça, moi mon serviteur ça. Allah peut faire ça à Dimoula. Allah peut attribuer ça à Dimoula ensemble avec lui. Vous connaissez que c'était grand faveur ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin servir ce nom plus joli qu'il y en a. Dans 99 noms, plus joli nom c'est Ar-Rahman. Allah dit wa ibadur Rahman. Ben serviteur de Ar-Rahman. Ben serviteur en braquette spécial pour Ar-Rahman. Qui s'en a sabana? Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 13 qualités. Allah mentionne 13 qualités qui un serviteur est spécial pour Allah ena. Et si nous tous là, nous prenons sa bonne qualité là dans nous. Et à ce là même, nous finissons faire niyat là, à ce là même, nous finissons faire niyat. Qui tu sais qui nous pourrait si tant d'escalé temps fini là. Même un, même deux, même trois, nous vous mettez en pratique aujourd'hui, Inch'Allah. Là, Allah, quand redonne l'occasion, nous redonne les autres. Première qualité parmi sa 13 qualités-là. Allah dit, « Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. » C'est lui qui marchait le dunya avec humilité. Première qualité parmi sa 13-là. Allah, ce serviteur spécial, c'est celui qui marchait avec humilité le dunya. C'est celui qui a humilité dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement content d'un serviteur qui a humilité dans lui. Surtout devant Rabbul Alami. Parce que qualité kibre, qualité grandeur, c'est Allah qui est là. Donc quand un dimoun, les routes grandir, les routes valer, il a l'arrogance dans lui, Allah bien méfie sa qualité là. Parce que ça, Allah tout seul qui est là. Ça. Pour nous comprendre, lui, parfois, nous avons certaines petites choses qui nous font au dunya. Certaines bonnes petites choses nous font faire. Disons, dans l'endroit, nous, un travailleur social, un exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Sa travailleur social-là, il fait une qualité de travail que tout jeune quitte cette mauvaise la vie, il vient dans ça. Nouveau système qu'il introduit là. Nous mettons un exemple. Il y a un travailleur social, disons, il fait une place sportive. Les filles font ma intérêt football, n'importe quoi les filles font pour attirer les jeunes, pour tirer les autres dans sa chemin qui était là pour mettre les autres là. Et puis donner les autres l'éducation digne en même temps, les autres dans les autres salat en même temps. À ce temps, nous avons un autre du monde qui passe à travailler social là. Là, lui qui fait, il prend sa crédit là pour lui. Comment dire, il passe ça là ce nom. Et pas lui, il n'est pas le fait dans rien, lui. Monsieur, un tel qui ne fait tout. Mais seulement, il passe tout à faire le son, et moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Sa travailleur social qui ne donne seul le temps pour faire ça, là, lui-même, il dit, qu'est-ce que c'est? Lui-même, il peut dire, qu'est-ce que c'est censé, il peut dire, censé, il fait ça. Mais comme ça, même quand nous montrer qu'il nous a grandi, nous montrer nous l'arrogance, nous payons la humilité dans nous. Tout ça fait nous attribuer en nous-mêmes. Moi, nous mettons ça, moi, là, divan.
Nous l'arrogance, nous avons l'ego, nous avons tout dans nous. Allah pour détester sa qualité là. Parce que Allah qui fait toutes choses arriver. Si aujourd'hui dit bon une range sur la case, mais faut dire Allah nous l'aide pour les capables. Si un jour dit bon dit dans une situation correcte, faut dire Allah nous l'aide pour y arriver dans sa situation. À ce si dit bon là dit moi je travaille, moi je rentre, moi je fais ça. Ça pas humilité ça. Ça c'est l'arrogance ça. Allah déteste ça. Une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, ben, c'est lui qui a un atome d'arrogance, pas pour sentir parfait de Jannah. Parfait de Jannah, faux, bien loin de nous finir gagner ce parfait. Inch'Allah, nous pouvons gagner ce parfait, Inch'Allah. Nous pouvons rentrer tout, Inch'Allah. Mais, sa vanna, je pas pour même sentir parfait, là. Là, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, ma sahaba dit comme ça, ya Rasulallah. Mais il y en a parmi nous qui content, mettez-le l'aise, mettez-le soulier. Rasulallah dit, pas de problème. Allahu Jamil wa huwa yuhibbul Jamal. Allah joli, content, c'est qui joli. Là, Rasulallah expliquait qui veut dire l'arrogance. Al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. L'arrogance, c'est prendre les yeux de point férié. Prend les yeux d'insan plus bas que nous. Ça veut dire l'arrogance. Nous, Oustad, tu veux dire nous, que tous les jours, cause avec nous-mêmes. Par exemple, je veux dire, Mohamed Ikhlas, lui-même plus bas qu'il y a dans tout le monde qui est là. Et 5-6 fois, nous disons ça nous-mêmes tous les jours. Nous prenons le nom, nous dire Mohamed Ikhlas, l'aime plus bas parmi tout le monde qui est là. L'aime là, ça va l'arrogance, ça doucement pour sortir. Wa ramtun batarul haq, premier nous finis connaît, prend les yeux de point inférieur, les yeux plus bas qui nous. La cause nous, nous n'en sommes pas, l'audunia, nous n'en sommes pas position en plus. Nous sortis d'une grande famille. Sorti dans telle famille, dans telle business, dans telle position, donc tous les autres qui sont là, inférieurs. Pas Allah, ce man esclave spécial, ça. Wabatar al-haq et rejette la vérité, ça aussi c'est l'arrogance. Quand nous avons un haq devant nous, là nous ne pas qu'à nous qui nous étions, que ça nous était là. Nous ne pas qu'à guetter, ce n'est pas qui position nous était là. Même n'importe qui s'en l'a finalement sa haq là, nous disons, on dure ila man qal. Wa la tanzur ila man qal. Nous pas guetter qui s'en l'a finalement sa haq là, nous guetter zis haq là, c'est tout. Même qui s'en l'a lié été, même l'idée au milieu chemin, même l'idée au dernier sous l'autre, tout l'idée sa haq là, devant nous, nous acceptons haq. Nous pas nous dire, hey, toi qui pouvais mettre l'eau dans moi, ça c'est l'arrogance ça. Et deuxième qualité, premier fini, bosser avec humilité, reste avec humilité. Deuxième, il y a un niveau humilité qui plie autant pour. Et ça, si nous restons arrivés à ce niveau-là, Inch'Allah, nous pouvons les restes, bonne qualité qui restait, ça 11 là, Inch'Allah, pour rendre nous là, Inch'Allah. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand ben Jimun agit mal avec nous, les causes mal avec nous, les mal parlent avec nous, les mal agissent avec nous, les maltraitent nous, قَالُوا سَلَامًا. Les répondent en la paix, les répondent avec salam. Salam veut dire la paix. Mais déjà, ça dit, moun là, li, disons, moi, puis aller dans mon transport, au chemin, moi, fin faire un erreur. Moi, fin faire un erreur, là, la route. Moi, ne fais pas exprès, moi, fin erreur. À ce ça dit, moun qui, derrière moi, c'est pas devant moi, là, dit, cave, jour, moi, ma famille en entier, tout. Wa idha khatabahumul jahiloun.
La haine mal parle avec nous. Plus il mange nous famille tout. Nous, on sait quand nous tiennons la tête de haut. Un serviteur spécial pour Allah dans sa lieu-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il répond dans sa langue. Il répond dans l'appel, les contraires. Par exemple, il arrive ça. Il tient sur la tête de haut. Il vous dit Allah subhanahu wa ta'ala, God, toi, tu es la famille bien. Mauvais, difficile ça, mon frère. Il faut que nous passions la même, il est là que nous pouvons ça. Quand nous disons, on peut mal agir, nous, on peut jouer, nous, on peut battre, nous, on peut manger nos familles, nous, dans ce lieu-là, nous répondons à la paix, nous répondons à la paix. Même si nous récitons ça, dans nous l'arrivons, frère. Inch'Allah, les risques qualités qui viennent jouer, nous pouvons manger encore si nous gagnons l'occasion, tout pour venir dans nous l'arrivons, Inch'Allah, avec facilité. À ce temps, mon frère, le temps finit terminé, nous faisons juste des qualités. Toutes les deux qualités de mon jeune, les contraires, l'arrogance, l'humilité, nous faisons là. Un parmi les façons pour nous amener l'humilité dans nous, c'est faire salam. C'est faire salam tout du monde, tout musulman qui nous fait salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est capable d'être un insan plus meilleur que lui? Prend depuis le premier insan, venez jusqu'à le dernier insan qui peut venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'arriver à l'opposition qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant? Personne ne peut pas arriver. Jamais pour être ça. Mais quand il se trouve dans les enfants, il peut jouer. Avant les enfants, faire salam. Il fait les enfants, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourtant, il est le meilleur insan. Qui s'en est capable d'arriver à cette position qu'il tient? Prêt avec lui, il ne peut pas arriver. Nous, quand nous trouvons des enfants, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons. Et s'il n'a pas fait salam, j'ai été trouvé un tel sous-enfant, il n'a pas fait salam. Il n'a pas manié, il n'a pas fait. Mais tu peux passer ta salam, il n'a pas fait. Où qui vous a fait salam, bah? Al-Badi ou bis-salam, bari ou min al-kibr. Rasulullah dit, le premier djimoun qui fait salam, lit pur de l'arrogance, peine à l'arrogance dans lui. Faire salam. Et pas au pays salam pour tout. Fan salam. Tout le musulman qui nous vient de faire salam. Non pas nous faire, comment dire, des djimouns peut causer. Un là me connaît, un là me pas connaît. Ce qui me connaît là, moi, fait salam. L'autre là, moi, pas donné là, moi, pas guetté, moi, pas fait salam. Vous pensez, nous tous, nous avons passé là-dedans. Un troisième djimoun, nous peut causer qu'un djimoun. Un troisième djimoun vini. Il fait salam, l'autre là. Nous nous perçons, nous nous attendons. Nous nous perçons, nous nous perçons. Il va faire nous salam, ben non. C'est moi qui arrive, nous, ça qui nous a fait. Nous avons fait salam. Nous faisons salam tout le monde. Avant de terminer, dans le hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, quand tu fais hijra, et tu viens dans le masjid Quba, actuellement le masjid Quba était, et tu es arrêté là-bas. Là, tu donnes trois conseils. Si nous faisons ces trois affaires là, ce qu'il nous dit là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre décision de hidayat pour nous tous. Donc, chaque djimoun fait ça dans ce basti. Il y a différents bastis de djimoun là. Différents l'endroit de djimoun là. Quand nous prenons ça, ce qui Rasulullah fin dit là, nous applique ça dans nos basti. Nous trouvons comment nos basti pour améliorer. Nous applique ça dans nos lacages. Nous pouvons comment nos lacages pour améliorer. Nous n'avons pas besoin d'être à cas enfant, que ça n'a pas à le fréquenter, que ça n'a pas à le fréquenter. Non, il est là. Automatique, Allah vous dresse pour tout. Premier, afshu salam. Fais salam. Afshu veut dire fané. Fais salam. Dans nous la case, quand nous rentrons. Combien de fois nous faisons salam, nos enfants? Combien de fois nous faisons salam, nous, madame? Pose-nous la question. Fan salam. Deuxième, at'imu ta'am. Fais du monde manger. Dans nous basti, un petit programme. Contribuer, fais tout du monde manger. Allah va vous faire une misère. Plus nous dépenser, plus il vous donner. Contribuer, faire du monde manger. Donner du monde manger. Donner. Même qu'il était mangé, il était, mais donner. Troisième, wasallu wa nasu niyam. Faire namaz, comme un du monde peut encore dormir. Lever, dans la nuit, tu du monde peut dormir. Faire namaz, toi, du monde Allah va accomplir tout pour toi. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, si vous nous entendez là, nous mettons en pratique.
sa deux qualités que nous venons d'entendre aujourd'hui là, dans sa 13 qualités là, nous mettons dans nous la vie, Inch'Allah, jusqu'à que nous gagnions l'occasion pour t'en encore dans les autres qualités, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين